Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel update Lille, une toute nouvelle édition en ligne cette fois-ci. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Alors, petite présentation de l'AFUP pour ceux qui sont nouveaux sur ce genre d'événement. L'AFUP, c'est l'Association francophone des utilisateurs de PHP cette année. C'est l'association qui va faire la promotion du langage PHP et de son écosystème, le langage que l'on utilise tous, ou en tout cas la plupart d'entre nous, dès aujourd'hui, et cette association compte plus de 600 membres aujourd'hui. Elle est composée d'un bureau et d'un conseil d'administration, et également d'antennes locales dans la plupart des villes de France, telles que Lille, Lyon, Nantes, Tours, Paris, chacune de ces antennes étant animée par une équipe de bénévoles. Les actions de l'AFUP. Principalement, on va retrouver les événements qui vont être un partage de connaissances, tels que cet événement en cours, l'AFUB Day, et également les précédentes éditions que vous avez pu voir, mais également le forum PHP qui a lieu en octobre. On reviendra dessus un petit peu plus tard. L'AFUB propose également un baromètre des salaires. C'est un sondage qui est envoyé courant octobre. Les résultats sont annoncés quelques mois après. L'AFUB propose également de la veille technique et des meet-up dans les différentes antennes, donc organisées par les bénévoles cette fois-ci, Lyon, Nantes, Lille, Montpellier, etc. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à devenir membre. L'adhésion est de 30 euros par an et vous propose de nombreux avantages. Parmi ces avantages, on va retrouver un accès au Slack, on va retrouver des offres d'emploi, on va retrouver une veille supplémentaire, etc. De plus, en devenant membre de l'AFUP, vous soutenez l'association qui fait la promotion du langage, mais également vous soutenez les différents événements qui ont lieu le reste de l'année, à savoir les meet-up, les apéros PHP, etc. Donc, si vous voulez que ce genre d'événement continue, je suis sûr que la plupart d'entre vous y allez déjà. Si vous voulez justement que ce genre d'événement continue, je vous invite à devenir membre. Pour le planning du jour, aujourd'hui, pour cet AFUP Day, nous avons tout d'abord Titouan Galopin qui va nous présenter les nouveautés dans Symfony 5. Ensuite, Kevin Dinglas va nous parler de décentralisation du web, avant de céder la place à Nicolas qui va nous parler de Clean Architecture, une conférence qui a déjà eu un franc succès au dernier forum PHP. Samuel Rosé, à partir de cet après-midi, va nous parler du streaming, une alternative au CRUD et au batch processing. Kevin Nadin va nous parler du design pattern Factory. Gaël Crispin, des tests d'infection. Quand les X-Men nous aident à mieux tester. Damien Cavaillès, 10 méthodes pour rendre les développeurs heureux. Et enfin, Alexandre Salomé, comment concevoir des back-office performants. Exceptionnellement, nous aurons 8 conférences et une pause repas de 2 heures. Merci beaucoup, beaucoup à nos sponsors, sponsors nationaux et sponsors locaux qui ont continuer à nous sponsoriser, qui ont continué à nous aider pour cette nouvelle édition en ligne. Nos sponsors nationaux, lestilleuls.coop et Vanois, et notre sponsor local, CGI. Merci beaucoup à eux de nous aider pour cette nouvelle édition et ce nouveau format. L'équipe d'Orga est là pour vous aider. L'équipe d'Orga est présente sur le chat. Elle est composée aujourd'hui de Claire, Cécile, Amélie, Cédric et moi-même, Vincent. Vous pouvez retrouver les modérateurs sur le chat avec le petit logo AFUP avec un M marqué dessus. Et comme tout événement AFUP, il est soumis au code de conduite. Vous retrouvez le lien du code de conduite dans le chat, dans le texte d'introduction fourni par Cécile, tout en haut du chat, mais également du coup sur le site coc.afup.org. N'hésitez pas à le consulter si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les poser sur le chat. On est là pour vous aider. Après chaque conférence, si vous avez le temps, ce sera peut-être un peu rapide, entre midi et deux, ou également à la fin de la journée, je vous invite à noter chacune de ces conférences sur JoinDin. Cécile pourra vous partager sur le chat le lien JoinDin après la plupart des conférences, en fin de journée, etc. C'est très important pour chacun des conférenciers que vous les notiez et que vous mettiez des commentaires, parce que ça va leur permettre de s'améliorer, d'améliorer leur conférence pour les prochaines fois où ils pourront la donner ou pour une prochaine conférence qu'ils pourraient donner. Donc, je vous y invite à la fin de la journée et entre midi et deux, notez les conférences que vous avez vues. C'est très important pour les conférenciers. Merci beaucoup.
Passez un très bon AFUPD. Vous pouvez tweeter sur le hashtag AFUPD. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter sur le compte AFUP et le compte AFUP Hauts-de-France. On se retrouve très bientôt pour le talk de Titouan Galopin dans la nouvelle room que vous partage Cécile. Très bon AFUPD à tout le monde.